Voilà, on y est. Donc lui, il nous attend, je sais pas pourquoi, c'est un allié, donc il sert à rien. Alors on y est, voilà, on est à ce fameux endroit. Ce fameux endroit, ça a l'air d'être un endroit de base jump en fait. Oh putain, alors là, si je saute ici. Oh putain, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir sauter dans l'eau. Sauf que là, ça va juste être impossible en fait. Sauf si je vise vraiment super bien. Et que là j'atterris dans l'eau. Alors ça franchement je vais sauvegarder et je vais essayer de le faire. Mais franchement si j'ai réussi à le faire, je peux m'estimer heureux. Désolé je m'étire un petit peu. Hein. Alors ouais bah là de toute manière autre part qu'ici on peut pas sauter dans l'eau. Hein. Ça c'est impossible je pense. Mais ici je sais pas à quoi ça sert. Ça sert juste peut-être à un panorama. Ouais donc oh, putain ça va être chaud. Parce qu'il faut savoir que n'empêche, ça, je trouve que ça, c'est assez mal fait parce que peu importe la profondeur de l'eau dans laquelle vous atterrissez, vous subissez pas de dégâts. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Donc on va essayer de le faire. Oh putain, je vais me foirer. Non, c'est foutu. Ah putain, dommage. Ah, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible. Je sais pas si la sauvegarde que j'ai faite. Elle a été utile. Je sais pas si ça va me voilà, ça va me respawn à l'endroit où j'ai sauvegardé. Ce serait sympa pour essayer. Mais je pense que non. Si ça me respawn pas à l'endroit où j'ai sauvegardé, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Ça sert à rien de réessayer et de me casser le cul à y retourner. Parce que si je peux pas, ouais, voilà, je peux pas. Je peux pas le faire, donc c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça faisait une petite vidéo un peu pourrie, mais bon, qui servait pas à grand chose, juste à vous montrer que bon, dans Far Cry, on peut faire énormément de choses, notamment en quête secondaire, je vous en ai pas parlé, mais on peut faire également des missions de chasse, qui vous demanderont de soit chasser des animaux rares, qui vous permettront d'améliorer vos équipements, de créer des équipements améliorés, donc c'est-à-dire la sacoche à butin. Le portefeuille amélioré, tout ça en fonction des animaux que vous allez devoir, des animaux spéciaux que vous allez devoir chasser. Sinon, vous allez devoir chasser un certain nombre d'animaux. Par exemple, là, je devrais chasser 15 chiens enragés avec un lance-roquette. Vous voyez, bon. Donc, des quêtes que celles-ci, ces quêtes-là, je les trouve pas super intéressantes, mais bon. Et après, il y a aussi des quêtes de chasse à l'homme. Donc, il faudra tuer un chef de bande. Avec un couteau, obligatoirement, si vous voulez toucher une rançon. Si vous voulez pas toucher la rançon, vous gagnerez que des XP que vous aurez eu en battant les ennemis, quoi. Donc voilà, petite vidéo de 2-3 minutes, voire peut-être même 4 minutes, qui sait. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu, en tout cas, même si elle n'a pas servi à grand-chose. En tout cas, moi, je vous dis à toutes et tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sait, ça sera peut-être une vidéo sur peut-être Far Cry, je sais pas, peut-être sur autre chose, j'en sais rien du tout, franchement. Peut-être sur Just Cause, peut-être sur Skyrim, je sais pas du tout. En attendant, portez-vous bien, bonne année 2013 et surtout, bah, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour me faire plaisir et voilà. Voilà, salut tout le monde!